c'est dans l'Aude que nous allons nous rendre, à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, un adorable petit village sur son éminence, où, à la fin du siècle dernier, débarque un brave abbé, l'abbé Béranger Saunière. Et c'est un personnage qui allait, par la suite, faire la une de certains journaux. Et presque un siècle plus tard, on se souvient de lui. Il a fait des choses extraordinaires, pas par l'opération du Saint-Esprit. On parle d'un trésor, mais je crois que c'était encore bien plus extraordinaire. Dans l'Aude, chez Tatiana Kletsky-Prader, qui est un écrivain qui a écrit de nombreux ouvrages, nous allons les montrer, qui a même écrit un guide de l'écrivain, qui fait autorité. Aujourd'hui, Tatiana Kletsky-Prader, nous allons parler, si vous voulez bien, de Rennes-le-Château. C'est une cité, une vieille cité, extrêmement intéressante dans la mesure où elle a un lourd passé. Alors parlez-nous un peu de Rennes et de son bon curé. Il y a eu effectivement un curé à la fin du siècle dernier qui s'est distingué par des trouvailles. On connaît certaines de ces trouvailles, mais certainement pas toutes. Le fait est que ce curé s'est brusquement enrichi, qu'il a dépensé des sommes folles de plusieurs milliards de francs or, qu'il a restauré l'église en la décorant de manière, dit-on, ésotérique. Il a construit des immeubles énormes et coûteux et il a reçu énormément de têtes, même couronnées, à Rennes-le-Château. Nous allons rencontrer M. Henri Bution et nous l'en remercions, qui est le propriétaire de la demeure de la Bessonnière. Il ne l'a pas connu directement, mais il est un amoureux du lieu, un amoureux du personnage aussi fascinant. Ce site sur lequel nous sommes, avant la Bessonnière, c'était la campagne. Il n'y avait rien, oui. Sinon les habitations du village. Tout cela ne s'est pas fait gratuitement. Non. Hein, pouvez-vous un peu me décrire le site avant ? Oui, je connais la description du site par les habitants de Rennes-le-Château, qui sont parfaitement dignes de foi et très bien renseignés de siècle en siècle. D'abord, ce parc où nous sommes s'appelait sur le cadastre le Rocher, et ça n'était qu'un rocher sans terre et sans vie, balayé par le vent dominant. Le parc à voitures actuel n'était qu'une carrière de pierre. Quant au jardin du bassin, c'était un jardin en pente, qui suivait le profil du terrain. L'abbé a fait transporter environ 6000 mètres cubes de terre, avec des chariots à bœufs depuis 4 à 5 km de distance. Cela représente environ 8000 voyages. Le domaine de la Bessonnière ne fut pas construit au hasard. Beaucoup de détails montrent à l'évidence le soin apporté par l'abbé à ses constructions au sens parfois caché.
Généreux, Béranger Saunière avait même prévu qu'une partie de son domaine serve à l'hébergement de prêtres à la retraite. La plus célèbre et la plus énigmatique de ses réalisations est sans nul doute le démon Asmodée qui soutient le bénitier dans l'église. Pour expliquer de façon rationnelle, sérieuse, ces fastueuses dépenses de l'abbé Béranger-Saunière, on a invoqué le trafic de messe. Le trafic de messe, c'est une aberration la plus totale. Un auteur a même fourni la photocopie des comptes de l'abbé Saunière, des messes en question. Mais là aussi, c'était truqué, parce que l'abbé Saunière, ou soi-disant tel, confondait les rentrées de fonds avec les dépenses. C'était tellement grossier que c'est une falsification. Cela n'a rien à voir avec les trafics de messes. Ceux, et on pourrait presque dire celui, qui a essayé de démolir, disons, la loyauté de l'abbé Saunière, a fait des recherches sur les livres de messe de l'abbé Saunière, a fait des suppositions de nombre de messes plus élevés, et même, en employant ce moyen, est arrivé à un nombre de messes qui ne correspond qu'à une moyenne de 2 messes par jour, à célébrer durant sa vie sacerdotale, en supposant qu'il les ait toutes célébrées, ce qui n'est pas le cas. Il y a de nombreux témoignages dans les lettres mêmes qui sont exposées au musée de prêtres qui disent qu'ils ont reçu eux-mêmes des messes à célébrer venant de la part de l'abbé Saunière et qu'ils disent clairement « tu es accusé d'une chose que tu n'as pas faite ». De toute manière, je ne connais pas le tarif des messes, mais je pense qu'il aurait fallu des milliers de messes par jour ou au moins par semaine. Absolument. On retrouve, les détracteurs arrivent à un maximum de 14 000 messes en faisant des suppositions, et cela ne ferait au maximum qu'environ 12 000 francs. Or, on sait très bien que l'abbé Saunière reconnaît lui-même dans ses dépenses des nombres beaucoup plus élevés et qui sont bien inférieurs à la réalité. Pour avoir confirmation, nous nous sommes rendus à Liège, en Belgique, pour rencontrer Gérard de Sède, qui a beaucoup écrit sur cet étrange mystère de Rennes-le-Château. Qui n'a pas entendu parler de Gérard de Sède, qui a publié un ouvrage dont on a beaucoup entendu les éloges, Rennes le Château chez Lafont, il y a 4 ans. Gérard de Sède, le prochain bouquin, qu'est-ce que vous nous concoctez? Bien, je vais probablement, sans trop changer de perspective, mais probablement faire un bouquin pour Lafont sur le thème, si vous voulez, occultisme et politique depuis les pythagoriciens jusqu'à nos jours, c'est-à-dire recenser le nombre d'événements historiques auxquels les occultistes ont été mêlés, et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense dans l'histoire, depuis l'opération Jeanne d'Arc, en passant par la secte des Hachichim, des assassins. Alors, l'abbé Saunière, il y a les tenants du trafic de messe, moi ça me paraît tiré par les cheveux et prêt à furuler de rire. Il a certainement découvert un trésor. Il n'a pas gagné à la loterie nationale qui n'existait pas à l'époque. Alors oui, l'abbé Saunière, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui arrive à Rennes-le-Château comme curé, si je ne me trompe pas, en 1885. Il est extrêmement pauvre. Il est extrêmement pauvre car il a un traitement. À cette époque-là, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. Il a un traitement de 75 francs or par mois, ce qui n'est pas négligeable. Seulement, il se fait priver de son traitement pour des prêches électoraux intempestifs. Donc il n'a plus rien et il est obligé d'acheter même sa nourriture à crédit. Or, 32 ans après, à sa mort, en 1915, il a dépensé, j'ai eu ses livres de compte entre les mains, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à les avoir eus, ils ont été publiés également en partie par des revues scientifiques de l'Aude, n'est-ce pas, à sa mort,
il a dépensé exactement un peu plus de 660 000 francs or, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 23 millions de nos francs actuels. Bon, alors, d'où provenaient ces ressources, évidemment? Alors là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. Il y a, si vous voulez, ce que j'appellerais l'hypothèse sordide. Ces ressources provenaient d'un trafic de messe. Il organisait en grand, à travers le monde entier, un trafic de messe. Bon, seulement une messe à l'époque valait un franc or. Il aurait donc fallu qu'il célèbre, il a dépensé, j'ai dit, 660 000 francs or, il aurait fallu qu'il célèbre en 32 ans 660 000 messes à un franc. On dira, ah oui, mais justement, un trafic de messes, c'est parce que ces messes, ils ne les célébraient pas. Alors s'ils ne les célébraient pas, il fallait tout de même qu'il trouve des gens pour les lui commander. Il aurait fallu qu'il trouve 660 000 personnes pour lui commander au moins une messe à un franc. Il aurait donc fallu qu'il écrive 660 000 lettres, et que, en supposant même qu'à chacune des lettres, il y ait une réponse favorable, c'est tout à fait fantasmagorique. Et d'ailleurs, quand son évêque, à partir d'un certain moment, se met à trouver que ses ressources quand même sont disproportionnées avec ses moyens, lui demande de s'expliquer, l'accuse de trafic de messe, eh bien, il a été blanchi par le tribunal ecclésiastique, et ce n'était qu'une première phase, si on y revient tout à l'heure, il a été blanchi de cette accusation par le tribunal ecclésiastique, qui a déclaré qu'il n'y avait pas l'ombre de commencement de preuve à cette accusation. On a évidemment formulé une hypothèse qui peut faire rêver, c'est que Saunière a rien trouvé d'autre que le trésor du temple de Jérusalem, qui aurait été caché par les Visigoths près de Carcassonne, ce qui est peut-être un fait historique d'ailleurs. Mais ce trésor du temple de Jérusalem, personne ne l'a jamais retrouvé. Si on l'avait trouvé, les chroniqueurs arabes, quand ils ont renversé le royaume Visigoth d'Espagne, n'auraient pas manqué d'en faire mention, n'est-ce pas? Et il disparaît de l'histoire. Et en plus, c'était un voyons, réfléchissez une seconde, si Saunière avait trouvé un trésor pareil, il était totalement invendable, aussi invendable que la Joconde. Et par-dessus le marché, on n'imagine pas un curé, même aussi sulfureux que l'était Saunière, mettant à la casse un trésor aussi sacré que le trésor du temple de Jérusalem. Donc tout ça, personnellement, j'élimine. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère et ami Gérard de Sède quant à cette histoire du trésor de Salomon, qui repose, me semble-t-il, sur des bases sérieuses. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je crois qu'il faut dire que le mystère ne démarre pas avec la Bessonnière. Il y avait des choses très étranges. Il y a des recherches qui ont été faites, notamment par un auteur américain, Elizabeth Van Buren, qui a écrit « Refugee to the, of the Apocalypse »,« Le refuge de l'Apocalypse »,« Drawing to other dimensions », »,« Une porte ouverte sur d'autres dimensions ». Et alors là, c'est de la super, méga science-fiction. C'est sérieux. Ce n'est pas moqueur de ma part de dire que c'est de la super science-fiction. Parce que ça repose aussi sur des choses fantastiques, mais vraies. J'espère qu'un éditeur français intelligent traduira ce bouquin. Il y a aussi Patrick Ferté, qui est un homme extraordinaire, qui a puisé, qui a disséqué les œuvres d'Arsène Lupin, La Clé, l'œuvre codée de Maurice Leblanc. Oui, Arsène Lupin, son gentleman cambrioleur, est un faire-valoir pour Maurice Leblanc, qui nous fait pénétrer dans les arcanes de choses étranges, mystérieuses, touchant Reine de Château, touchant Stené et d'autres domaines étranges, insolites, bien dans la note de ce qui nous intéresse. Mais il y a aussi le livre de l'abbé Boudet, qui a été curé, non pas de Rennes-le-Château, mais de Rennes-les-Bains, à quelques kilomètres, et qui a écrit au siècle dernier « La vraie langue celtique » ou « Le cromlech de Rennes-les-Bains ». Pour lui, c'était de l'anglais moderne. Alors évidemment, c'est quand même curieux. Mais il y a des choses extrêmement troublantes dans cette histoire d'anglais moderne, parce qu'on trouve, par exemple, « Katcha » en langue d'ossien ancien. Catcha, ça veut dire serré, pressé. Et catch, en anglais, c'est capture, crampon. Cost, en langue d'ossien, le cost, c'est le prix. Cost, c'est le prix en anglais.
Il y a quantité d'exemples de ce genre. N'oublions pas que l'abbé Boudet était très riche et que lui aussi a apporté son aide financière à la Bessonnière. Pour quelle raison? Ça aussi, ça fait partie du mystère. Nous allons peu à peu le voir. Et il y a le cromlech de Rennes-les-Bains, un passé très lointain, mais aussi un passé plus proche, celui des Wisigoths, qui ont joué un rôle capital dans cette région-là. Jean Blum, vous avez écrit de nombreux ouvrages, et tout particulièrement ces dernières années, deux ouvrages chez Le Rocher, aux éditions du Rocher. Oui. Vous êtes passionné par Rennes-le-Château, par les courants sous-jacents, contestés ou non. Et je serais heureux que vous nous parliez de ces problèmes qui sont souvent un peu négligés en ce qui concerne Rennes, en raison justement de cette zone floue qui les entoure. Rennes-le-Château se présente un peu en auberge espagnole, en ce sens qu'à l'heure actuelle, chacun y trouve ce qu'il apporte. Cela dit, il y a quand même une histoire, Rennes-le-Château, et elle commence d'une certaine manière lors de la venue des Wisigoths dans cette région, c'est-à-dire en 413. Rennes-le-Château, qui s'appelle Rédé à l'époque, est, semble-t-il, le fait est controversé, mais les probabilités vont dans ce sens, une citadelle importante. D'aucuns ont voulu en faire la quatrième ville d'Europe à l'époque. C'est de toute façon une citadelle importante. Les Wisigoths s'y installent en 413. Clovis bat les Wisigoths et reconquiert une grande partie de l'actuelle France vers 507. Néanmoins, les Wisigoths demeurent un peu plus longtemps dans ce Haut-Razès. Vient l'abbé Saunière, il y a maintenant un siècle. L'abbé Saunière, semble-t-il, est mis en possession de documents. Bien sûr, il découvre des richesses. Ces richesses peuvent être wisigothiques. On a parlé de l'or du temple de Salomon et des trésors sacrés du temple de Salomon, l'arche d'alliance, la menorah. Ces trésors peuvent être également avoir été amenés là par Blanche de Castille, qui semble-t-il y aurait fait un passage lors de la révolte des pastoraux. Ces trésors peuvent être éventuellement des trésors des Templiers, mais il y a dans toute cette histoire-là une connotation, avec ou sans guillemets, religieuse. Alors, les thèses actuelles sur Rennes, le trésor des Templiers, le trésor des Wisigoths, c'est-à-dire les trésors sacrés du temple de Salomon, je n'en sais rien, c'est possible, pourquoi pas. Me semble-t-il, il faut les dissocier un peu de la question de l'enrichissement proprement dit de la Bessonnière. Et quant à l'enrichissement proprement dit de la Bessonnière, il me semble que la thèse la plus probable, celle en tout cas que d'aucuns tendent à écarter le plus possible, c'est celle du trafic d'influence sur celui qui à l'époque avait le plus à en craindre, en l'occurrence l'empereur d'Autriche. La Bessonnière aurait monnayé certains documents des Wisigoths qui voyaient en Jésus-Christ un prophète et non le Fils de Dieu. Une telle affirmation hérétique était à l'époque lourde de conséquences pour l'empereur d'Autriche. À ce moment-là, l'empereur François-Joseph était le chef du Saint-Empire. Et tout le Saint-Empire reposait sur la légitimité, l'authenticité du christianisme traditionnel tel que nous le connaissons. En fait, tout document produit abusivement, à l'époque actuelle on le fait, il y a un siècle c'était beaucoup plus difficile, tout document produit à ce moment-là qui mettait en cause les fondements même de la religion, mettait en cause les fondements du Saint-Empire à un moment où l'empereur, vieillissant et peut-être un peu mégalomane, rêvait de reconstituer un Saint-Empire à l'échelon au moins européen et peut-être planétaire. Mais les documents dont la Bessonnière faisait commerce n'étaient peut-être pas uniquement religieux. Il concernait également la généalogie de la dynastie des Habsbourg et des Mérovingiens. Il y aurait, vous en avez fait référence, peut-être des documents officiels, et pourquoi pas généalogiques. Je pense que les ressources de Saunière provenaient de la négociation des documents. D'accord. C'est-à-dire, on négocie des documents pour deux raisons. Ou bien on négocie leur vente en vue de leur divulgation, ou bien au contraire, on négocie leur tenue sous le boisseau pour qu'ils soient occultés. Étant donné qu'on peut, d'une part, toucher de l'argent de ceux qui ont intérêt à la divulgation et toucher de l'autre main de l'argent de la part de ceux qui ont intérêt à les tenir sous le boisseau, il y a là pas mal de ressources. Pourquoi? Parce que ces documents pouvaient intéresser. C'était des documents
qui pouvaient, vrai ou faux, je dis bien vrai ou faux, ben, c'était des documents qui pouvaient présenter un intérêt généalogique et qui pouvaient par conséquent intéresser un certain nombre de dynasties européennes. Ce que nous constatons d'insolite, c'est que parmi les visiteurs que reçoit Saunière dans son église de Rennes-le-Château, un trou perdu, comme vous avez pu le voir, il y a l'archiduc de Habsbourg. Qu'est-ce qui pouvait intéresser l'archiduc de Habsbourg à Rennes-le-Château, sinon des documents qui pouvaient conforter les prétentions des Habsbourg à l'époque? Trafic de documents, peut-être. Des documents quand même capitaux, parce qu'il s'agissait, nous dit la tradition, de documents généalogiques intéressant les Mérovingiens. Ces Mérovingiens qui ont fait des choses assez extraordinaires dans la région du Razès, mais qui aussi, selon l'ouvrage de Gérard de Sède, La race fabuleuse, puiserait ses racines dans un très lointain passé et même au-delà de la Terre, puisqu'il s'agirait d'une espèce extraterrestre qui aurait donné naissance à la généalogie, à la lignée des Mérovingiens. Oui, mais attention, la race fabuleuse, il y a fabuleuse dedans. Bon. Et d'autre part, le sous-titre, c'est la mythologie mérovingienne. Bon, c'est un bouquin que j'ai fait, qui est simplement le compte-rendu de conversation avec un personnage original, complètement fou d'ailleurs, mais extrêmement érudit, et je me borne à raconter ce qu'il disait sans le prendre aucunement à mon compte. Là non plus, je ne suis pas d'accord avec mon grand frère et ami Gérard de Sède. Je suis bien persuadé que les racines des Mérovingiens puisent dans un très lointain passé et dans une lignée qui, elle, venait d'ailleurs. Nous y reviendrons peut-être pas dans cette cassette parce que c'est tellement fantastique tout ce qui nous arrive au gré de notre enquête que nous sommes conscients qu'il faudra un certain temps. Alors, pour comprendre le cheminement de ces mystères, les imbrications des épisodes les uns dans les autres, il faut impérativement que nous rendions à Stenay, dans les Ardennes. Là, nous sommes au cœur du mystère. Et c'est grâce à Louis Vazar, qui a créé le cercle Saint-Dagobert II, que nous pouvons approcher d'un peu plus près ce site extraordinaire, et aussi grâce à un ami du cercle Saint-Dagobert II, M. Bonnefoy, qui lui va nous entraîner vers la fontaine. Quelle fontaine? Une fontaine sacrée, puisque c'est là, au cœur de cette magnifique forêt, que fut assassiné Dagobert II, devenu Saint Dagobert. Historiquement parlant, bon, on l'a toujours appelé Fontaine Saint-Dagobert, donc on sait qu'effectivement, et la tradition orale là-dessus a toujours été extrêmement claire dans le canton, que le dernier mérovingien régnant a été assassiné ici en l'an 679, la veille de Noël. La veille de Noël. La veille de Noël. Donc une période solsticiale, dans ce lieu assez extraordinaire de forêt, chargé, avec ces arbres magnifiques, ça n'a pas dû changer beaucoup. Hormis le bruit de l'avion qui passe de temps à autre, n'est-ce pas? Et donc, Saint Dagobert, enfin Dagobert II, fut assassiné ici. Par qui? Eh bien, il a été assassiné par un maire de palais, le maire du palais de Pépin-Aristal. Et donc, en fait, un assassinat politique, et qui a précédé une prise de pouvoir d'autres personnes, d'autres gens. Disons du trône de France. Ah, effectivement, c'est bien. C'était des usurpateurs. Ah, ben depuis, effectivement. Bon, le sang n'est plus le même, en tout cas. Le sang n'est plus c'est le même. Clair. Toujours dans la région de Stenay, à l'église Lyon de Vendun, M. Bonnefoy nous entraîne et nous découvrons un vitrail. Le vitrail extraordinaire, c'est Saint Dagobert II. Donc, il était reconnu, officialisé par l'église. Et il nous est montré sans la barbe. Or, les Mérovingiens, la dynastie mérovingienne, étaient appelés Reges Crinitii, les rois velus. Donc, on avait voulu probablement castrer, supprimer
leur valeur particulière, la valeur particulière accordée à cette lignée extraordinaire. C'est dans cette ville de Stenay que fut ramené le corps du dernier monarque mérovingien. Comme nous allons le voir, l'assassinat de Dagobert II et la question de sa descendance concernent de très près la Bessonnière et ses relations avec la dynastie des Habsbourg. Signalons l'excellent travail du Cercle Saint-Dagobert, créateur d'une salle mérovingienne à Stenay, pour que ne soit pas oublié cet épisode crucial, par trop escamoté, de l'histoire de France. Le Cercle effectue aussi des travaux de restauration, organise des manifestations et publie également un intéressant bulletin. Mais pour en savoir plus, Louis Vazar, le président du Cercle Saint-Dagobert II, nous entraîne non plus à Stenay, mais dans la région parisienne, à Sèvres, l'église de Sèvres, où le curé a refusé de nous recevoir. Louis Vazar, c'est pas parce que nous n'avons pas pu visiter cette église de Sèvres qu'elle demeure sans intérêt, au contraire. Et nous engageons ceux qui auront la chance de ne pas recevoir d'obstacle d'aller voir cette église. Il y a quand même quelque chose d'étrange, il y a des vitraux qui font certaines références et qui nous ramènent à Rennes-le-Château. Oui, tout à fait. Il y a un vitrail qui indique que Saint Dagobert aurait été le fondateur de l'église de Sèvres en 675. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de preuve écrite historique de cette fondation. Mais en 675. Mais en 675, tout à fait, il était vivant. Et alors, le nom Dagobert II figure aussi dans la liste des donateurs et bienfaiteurs de l'église de Sèvres, donc il figure en tête en 675. Dans la liste, il y a aussi Maria Lesinska, le roi Louis XV, mais aussi en 1873, un certain Zanoni. Et alors Zanoni, c'est époustouflant, parce que on se demande comment en 1873 quelqu'un serait nommé Zanoni, alors que tout le monde sait très bien que c'est le titre d'un ouvrage de Sir Edward Bulwer-Lytton, qui était membre de la Golden Dawn, il me semble. À la Golden Dawn, vous le savez très bien, qui veut dire l'aube dorée, qui était une société initiatique, discrète, sinon secrète, à laquelle on a reproché plus tard d'avoir été l'inspiratrice du nazisme, qui aurait contribué à inspirer le nazisme, ce qui est déjà pas tout à fait en odeur de sainteté. La présence dans l'ombre de sociétés secrètes est fort importante, car les documents détenus par les Bessonnières intéressaient vivement celle-ci. Comme nous le verrons par la suite, il fut même activement aidé par l'un de ces cénacles occultes, le prieuré de Sion, dont on retrouve les traces dans l'église de Sèvres. Cette église est très très étrange par ailleurs, parce qu'il y a d'autres vitraux, notamment un vitrail qui est dans le chœur, tout en haut, une croix flamboyante, dans lequel le IHS de notre Seigneur est légèrement replié dans le parchemin, et on peut y lire plutôt PS. C'est une société PS ou SP, Solidatium Pianum, qui est qui peut être liée à cette affaire, parce que cette société est une société vraiment aussi discrète, qui a été très active à travers toute l'Europe d'avant 1914. Et on l'appelait aussi couramment la Sapinière. Et donc cela nous ramène aussi à une société que l'on connaît d'une manière un peu plus récente, qui s'appelle le Prieuré de Sion. Là aussi on retrouve le PS et le SP. Alors il y a aussi dans l'église de Sèvres, mais ça n'a rien tellement à voir je pense, mais on ne sait pas, un tableau qui représente Jeanne d'Arc priant dans l'église de Sèvres. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois le peintre, c'est Flandrin. Or Flandrin est celui qui a peint les fresques de Saint-Germain-des-Prés qui se trouvent sur le méridien de la ligne rouge, le méridien de Paris qui va jusqu'à Rennes-le-Château. Alors bon, il faut le savoir. C'est beau le hasard. Tout à fait. Alors comme des dons ont été faits importants pour la restauration ou, disons, le financement. Je pense qu'on a voulu faire insister sur ou faire croire que l'église de Sèvres a été fondée par Saint-Dagobert. Saint-Dagobert, mais... On a mis de l'argent pour le faire croire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous autorise à penser, fortement ou plus légèrement, au fait que le trésor qu'a découvert la Bessonnière aurait pu contribuer à aider
Bon, alors ça, on n'était pas comptable derrière la Bessonnière. Par contre, ce qui est certain, c'est que la Bessonnière a reçu énormément de visiteurs des Habsbourg, des gens donc intéressés par ces problèmes de généalogie, d'histoire, et il y a aussi cette légende qui court sur les parchemins de la reine Blanche de Castille. Ah oui. Alors, la fameuse généalogie. Alors là aussi, tout ça, ça réapparaît. Apparaît les descendants de cette race extraordinaire des Mérovingiens, et ceux qui ont été éliminés, la filiation directe. Je sais qu'on ergote un peu, mais enfin, il a eu une descendance d'Agobert II. Alors, Sigebert IV, non ? D'une part, dans un premier, tout à fait, il y a eu Sigebert, mais enfin, aussi sa fille Adèle, Ratilde, et Irmine, Sainte-Irmine. Donc, il a eu des descendants, naturellement, de toute manière. On veut nous, bien sûr, ergoter toujours sur Sigebert IV. Pendant très longtemps, on a dit qu'il n'existait pas, puis patatras, on découvre dans les textes anciens que Sigebert IV avait fait bel et bien exister. Alors maintenant, effectivement, quant à savoir s'il a pu faire souche dans le Razès, je pense que vous voulez c'est en venir là. Reine de château. Effectivement, là, c'est un petit peu plus, mon avis, difficile à prouver, mais il n'empêche qu'une tradition qui s'est fait jour, qui s'est fait jour au fin du siècle dernier, soit a été mis en évidence, soit au contraire a été inventée toute pièce. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile de le déterminer. Mais celui qui dit que cela n'existe pas ne peut pas non plus prouver le contraire. Cela étant, je dois dire qu'il y a beaucoup de familles mérovingiennes, d'origine mérovingienne. Je ne citerai que celle de la famille de Habsbourg, hein, qui descendent, eux, de Sigebert III, donc du père de Dagobert. Je crois vraiment que Sigebert IV s'est réfugié dans le Razès. On l'y a conduit. Il y a cette dalle des chevaliers, ainsi appelée parce qu'on voit un enfant transporté sur le cheval par des chevaliers. On l'a protégé, on l'a sauvé, Sigebert IV. Sans cela, ces rois dont on nous disait dans l'histoire de France qu'ils étaient des rois feignants, c'était pas des rois feignants, c'était des rois faits, néants. Si le verbe néantiser existait, il définirait bien. Parce que les usurpateurs, les trônes de France, ont voulu les anéantir. Alors, il y a quand même, vous le voyez au gré de notre enquête, des mystères qui s'épaississent, qui se multiplient. Il y a ce fameux pilier wisigothique ou carolingien, selon les appellations des chercheurs, et dont Henri Bution, maintenant, va nous parler. Lorsque la Bessonnière eut fait la découverte du sépulcre de Sigebert IV, sur décryptage du grand maître de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, qui était devenu Claude Debussy à la succession de Victor Hugo, lequel Claude Debussy, et cela je ne le sais que depuis 2 ans, est venu plusieurs fois à Rennes-le-Château voir la Bessonnière, eh bien, il est hors de doute que c'est Claude Debussy qui a positionné le sépulcre de Sigebert IV dans l'église. Ce qui explique l'hommage rendu par la Bessonnière tant à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur, et notamment en prenant le pilier carolingien qui supportait l'autel qu'il met dehors, dessous la statue de la Sainte Vierge, et à la base duquel il fait graver « Mi Sion 1891 », Debussy étant grand maître de l'ordre de Sion. Or, ce qui est évident dans l'Église, c'est qu'il y a tout de même 70 fois reproduit le sceau de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion. Il y a le sceau MS. Or, on sait très bien qu'en matière de glyphes de saints, ça ne peut pas être Sainte-Madeleine. Il n'y a jamais le S du mot saint dans un glyphe. Le glyphe de la Vierge Marie est M-A, celui du Christ, le qui est ro, les deux premières lettres du mot Christos. Et là, il est hors de doute que c'est bien M-S. Or, pour reproduire 70 fois, le mot, le sigle de Sion, de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, c'est bien qu'il y a là un hommage rendu à cet ordre. Et il est absolument hors de doute, d'après tous les renseignements que j'ai recueillis depuis 27 ans, que le grand maître de l'ordre de Sion est venu ici plusieurs fois voir la Bessonnière. En l'occurrence, c'était Claude Debussy.
Et c'est un fait que dans la succession des grands maîtres de l'ordre de Sion, Claude Debussy a été, le 1er juin 1885, élu à la succession de Victor Hugo, lequel, dans la légende des siècles, avait écrit un poème intitulé « Un seul homme sait où est caché le trésor », poème que l'abbé Saunière reproduit dans ses constructions, dans la décoration de son église. Ainsi, je le citerai rapidement, les derniers vers sont les suivants. La grande tour surveille au sommet du ciel bleu le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est exactement l'orientation de la tour Magdala. Ainsi, téléguidé par une société secrète, l'abbé Saunière découvrit la sépulture du fils de Dagobert II, dernier mérovingien régnant, issu d'une lignée d'origine extraterrestre. Et afin de souligner l'importance exceptionnelle de cet événement, il grave à nouveau 1891 sur l'un des piliers de l'église et nous prévient, en latin, à l'entrée de celle-ci. Terribile locus iste, ce lieu est terrible. Le mystère s'épaissit, mais nous pourrions aller plus loin en rencontrant à Paris Jean-Michel Thibault, qui est un confrère écrivain, qui a fait des recherches sur le prieuré de Sion et qui nous fait par ailleurs des révélations inquiétantes. Pour écrire des ouvrages de ce genre sur l'abbé Saunière, sur Rennes-le-Château, sur d'autres, par exemple la cantatrice Emma Calvé, tout à fait étonnante, qui joue un rôle important dans l'énigme de Rennes-le-Château et des découvertes de l'abbé Saunière, il faut être plus que romancier, il faut être un chercheur, il faut être un peu historien, il faut être un peu ou beaucoup détective et être courageux. Car Jean-Michel Thibault, je suppose que pour écrire ces ouvrages, vous avez dû faire de nombreuses recherches et que ça n'a pas été facile. Ah, ça n'a pas été facile. Ce qui est déterminant lorsqu'on écrit une histoire, c'est un petit peu ce que l'on ressent au moment où l'on découvre le personnage. Et Saunière, je l'ai découvert tout à fait par hasard. En travaillant d'ailleurs sur les premières croisades, j'ai découvert quelques petits fascicules, quelques petits opuscules qui parlaient des croisades, mais d'une façon indirecte, des opuscules qui avaient des titres évocateurs comme le serpent rouge, la mystérieuse dame blanche. Alors ça, évidemment, lorsqu'on a de l'imagination et une âme un petit peu de Tintin, on a tout de suite envie de savoir ce qui se cache derrière ces manuscrits. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Rennes-le-Château, l'énigme de Rennes-le-Château et l'énigme de l'abbé Saunière. L'abbé Saunière, immédiatement, moi j'en tombe amoureux parce que c'est un personnage d'une part qui me ressemble, et puis ça a été un aventurier avant l'être. Même s'il n'a pas trop bougé de la région de Rennes-le-Château, ça a été vraiment un aventurier au sens plein du terme. Et je continue à faire des recherches, et là, première menace par téléphone. Vous ne devez pas vous intéresser à cette histoire est maudite, c'est un domaine réservé, vous feriez mieux d'arrêter. Et bon, sur le moment, je ne réalise pas trop, et puis ça se répète au téléphone, toujours des menaces. Je rencontre à l'époque de Chérizet qui me dit « Surtout, n'essayez pas d'aller plus loin, c'est très dangereux. » Et je laisse tomber. Je n'écris pas l'histoire sur Rennes-le-Château, j'écris un autre bouquin qui s'appelle « Les cités barbares » qui n'a rien à voir avec, avec cette histoire-là, mais ça me travaille. Au fil du temps, tout de même, je me dis « Ah, tu devrais aller à Rennes-le-Château, ne fût-ce que pour voir, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. » Et puis on m'a raconté toujours des choses incroyables. J'en rencontre un type une fois qui me dit « Vous savez, moi, ça fait longtemps que je fais des recherches sur Rennes-le-Château. J'avais ma caravane garée à l'extérieur du village et un jour, en sortant de la caravane pendant la nuit, j'entends le galop d'un cheval et je vois une femme tout en blanc, complètement évanescente, qui galopait à travers les rues du village. Je dis « Bon, tout de même... » Et puis on me raconte des tas d'histoires comme ça, des apparitions, des choses très bizarres. Et ce personnage-là, ce type-là qui... Il a l'air tout de même assez crédible malgré sa folie. J'essaie de le rencontrer plus tard à Paris et j'ai appris qu'il s'était suicidé. En fait, s'aperçoit que cette histoire sur Rennes-le-Château non seulement rend fou les gens, ça les mène jusqu'au suicide, mais en même temps, ça les rend avides. Alors, dites-nous quelques mots de cette extraordinaire femme, Emma Calvé, la grande cantatrice internationalement connue en son temps et qui, par hasard, est née à deux pas de, ou disons à trois pas de Rennes-le-Château.
Oui, on peut dire qu'ils, comme ils le disaient eux-mêmes en se rencontrant, qu'ils étaient du même pays. Ils étaient pays. Et ça aussi, ça, c'est un personnage haut en couleur, je veux dire, qui est aussi, aussi étrange, que peut-être plus énigmatique que l'abbé Saunière. Parce qu'elle a eu un parcours tout à fait remarquable. D'une part, parce qu'elle était issue vraiment d'une famille pauvre. Et elle est devenue cantatrice. Peut-être a-t-elle été repérée, comme on le pense, par les sociétés secrètes de l'époque, qui, voyant à travers ce personnage haut en couleur, intelligent, sensible, attiré, comme toutes les grandes dames de l'époque, par les sociétés spirituelles du 19e, attiré par l'étrange, le mysticisme, enfin ce qui sortait de l'ordinaire, ils ont vu en elle peut-être un messager. Quelqu'un qu'ils auraient pu manipuler, un instrument, mais un instrument à la solde de quoi et de qui, ça on n'en sait rien. Certains diront le prieuré de Sion, mais le prieuré de Sion a tellement été galvaudé que j'hésite même à en parler de devant la caméra. Il arrive qu'un jour, bon, Saunière la rencontre, et c'est grâce un petit peu à la présence de cette femme, à la passion qu'il ressent à travers elle, qu'il va se lancer dans ses recherches de trésors. Et en fait, elle a servi la cause d'une société secrète. Moi, je me souviens d'un livre que j'avais lu qui s'appelait « Les livres maudits » de Jacques Bergier. Dans les éditions, j'ai lu. Et Jacques Bergier disait une chose qui est vraiment remarquable. Il paraît fantastique qu'il existe actuellement dans le monde des sociétés secrètes, des synarchies, qui sont là pour occulter le savoir. Et moi, je pense que c'est ça. Emma Calbet, liée au prieuré de Sion, et à quantité de cercles occultistes de premier plan, des histoires de menaces, d'étrangetés, de suicides. Et puis intervient sur le site même du Razès, dans le site du Razès, près de Rennes-le-Château, le Bugarrache, un pic mystérieux, lié à des visites qui ne sont pas celles de touristes, des visites d'êtres venus d'ailleurs. Oui, c'est certain que dans les phénomènes OVNI, vous êtes sûrement mieux renseigné moi que sur ce sujet, mais on a remarqué qu'ils commençaient toujours au-dessus de sites templiers ou de sites mystérieux. Ici, nous avons les deux sites juxtaposés, vus de Rennes-le-Château, et c'est un fait incontestable que ces phénomènes se produisent en grande majorité sur le mont Bugarrache. Vous avez eu le privilège, vous aussi, et vous n'étiez pas seul, d'assister à une manifestation au-dessus du Bugarrache. Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé? Écoutez, c'était en plein jour, il devait être environ midi, un ciel parfaitement bleu. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, et s'est formé dans le ciel un nuage lenticulaire qui a grossi en expansion. De là, s'est dégagé un autre nuage beaucoup plus petit qui s'est élevé dans le ciel et qui en a engendré un beaucoup plus gros au-dessus. Et il y a eu une navette faite par ce petit nuage entre les deux nuages. Cela a duré environ 3/4 d'heure. Et puis ensuite, les nuages se sont tous confondus et ont complètement disparu. Pour Rennes-le-Château, c'est comme une coquille vide où il s'est passé beaucoup de choses, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Il faut chercher ailleurs, savoir pourquoi l'abbé Saunière se déplaçait, pourquoi il faisait des recherches autour de Rennes-le-Château, assez loin d'ailleurs, parce que d'après ce qu'on en a pu estimer, il allait au moins à 5, 6, voire 10 kilomètres de l'église pour faire ses recherches. Où allait-il? Alors certains ont cherché en direction du Bugarrache, ce qui est une montagne. Et là, ça devient passionnant. Parce qu'on s'aperçoit que cette montagne, c'est un couloir qui est interdit. Ça, je ne sais pas si ça a jamais été dit, je pense. C'est un couloir qui est interdit au vol aérien. C'est un couloir qui est interdit pour la bonne raison que lorsqu'on passe au-dessus de la montagne, tous les appareils électroniques, les compas magnétiques sont déréglés. C'est une montagne qui est plus ou moins sur la surveillance d'un régiment de parachutistes, tout à fait officiellement, et de la gendarmerie. C'est un lieu qui est hautement convoité, ainsi que des lieux voisins, par des
je dirais, par les Allemands en général, par les Allemands qui s'y intéressent depuis très très longtemps. Il y a aussi, sous le couvert du ministère de la Culture, des gens qui tout officiellement cherchent et fouillent dans le coin. Et là, il y a un budget qui est assez conséquent pour ces fouilles. Lorsqu'on les interroge, ils nous disent qu'ils sont à la recherche d'un ancien manuscrit qui expliquerait l'histoire de l'humanité. Alors ça fait beaucoup de choses, quoi. Les militaires, la gendarmerie, des groupes allemands, vraisemblablement mandatés par des banques allemandes, l'État français, sans compter tous les autres, hein, tous les privés qui sont... Alors on se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessus ? Heureusement que j'ai pas mal d'amis encore, soit au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées, et j'apprends qu'il existe un dossier classé, confidentiel, sous le titre « Mérovingien ». Et là, on trouve tout un tas de personnages historiques depuis le XVIIe siècle, jusqu'à nos jours, avec des conservateurs de musées actuels, avec Emma Calvé, dans le listing qui est sous le sigle mérovingien. Et ça, c'est très très étonnant. On apprend aussi qu'il y a des... que peut-être le CNRS s'intéresserait aussi de très très près à cette question. Et d'après ce que je sais, hein, je vous dis, sous toute réserve, ce sont des sources intéressantes, c'est vrai, de première main, mais encore faudrait-il qu'on puisse les vérifier. Moi je vous le livre comme on me l'a livré. Le CNRS et l'armée chercheraient, dans la région de Rennes-le-Château, une porte temporelle, un nœud du temps. Jean-Michel Thibault vient de nous faire des révélations sensationnelles. Ce n'est pas du sensationnalisme, je crois que c'est encore au-dessous de la vérité. Je pense qu'il faut savoir que dans cette région, il y a eu des constatations, il y a eu des recherches, et j'en reviens à Elizabeth Van Buren et à son extraordinaire ouvrage, non encore traduit en français. Il est bien mentionné « porte sur d'autres dimensions ». On fait référence à d'autres dimensions. Mais ce n'est pas seulement gratuit, il y a un homme tout à fait singulier, à côté de Rennes-le-Château, dans la région de la Salse, au bord de la rivière Salée. Cet homme a touché du doigt quelque chose qui n'est plus de la légende, qui n'est plus de la tradition, qui ne nous éloigne pas des domaines fantastiques, mais c'est probablement l'antichambre d'une porte du temps. Jean Drigny, nous sommes dans les collines qui dominent la vallée de la Salse, et dans mon roman de science-fiction des Chevaliers de Lumière numéro 10, Le piège du Val Maudit, je situe une action ici. Oui. Grâce à toi, tu nous avais informé de la nature de ces orifices bizarres. Les archéologues officiels ne sont pas du tout d'accord. Certains disent que ce sont des tombeaux, d'autres que ce sont des fours, mais aucun n'est d'accord. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai fait analyser les verres entre guillemets, par les laboratoires de l'armée, et ils ont été donnés pour plus de 4000 ans, déjà. Or, il y a aux archives de Toulouse un livre qui a été écrit par un jésuite en 1920 qui parle de la vallée de la Salse et dans lequel il dit, il n'y avait qu'un jésuite à l'époque pour dire une chose pareille, que dans la vallée de la Salse, il y avait des fours à céramique qui dataient de 6500 ans avant Jésus-Christ. Je crois que tu as enregistré quelque chose d'extrêmement bizarre ici. Oui, que j'ai enregistré à plusieurs endroits d'ailleurs, dans le salon de la maison, et ici, où l'on entend exactement comme si l'on était dans une imprimerie avec des rotatives. Un bruit mécanique, oui. Un bruit mécanique, oui, un bruit de moteur, carrément. Alors, il y a quelques années, des amis qui sont dans les sphères officielles, évidemment, je tairai le nom, vous comprendrez pourquoi, ont amené un de leurs amis qui était en Amérique à la NASA. Ils sont venus avec un appareil de détection souterrain. Magnétomètre. Un magnétomètre à protons, mais doublé de VHL. Enfin, c'était. Il paraît qu'il n'y en avait que 7 dans le monde à l'époque. Et il s'est avéré
qu'une fois la cassette passée à l'ordinateur et à l'imprimante, nous avons eu la radiographie du sous-sol. Il se trouve qu'à 25 mètres de profondeur, il y a une coupole métallique, entre guillemets, qui fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large, d'une forme ellipsoïde avec 1 mètre d'épaisseur et 3 mètres de flèche. Alors naturellement, ce n'est pas une construction humaine. Et ce c'est serait quoi, selon... C'est une des constructions de la base spatiale qui se trouve ici en dessous. Une base souterraine extraterrestre. Une base souterraine extraterrestre qui s'étale sur des kilomètres. Et est-ce que c'est en corrélation avec Bucarache? Oui, oui. Seulement, je ne sais pas qui se tient à Bucarache au point de vue extraterrestre. Ceux d'ici, je le sais. Ça, ce sont des gars qui viennent d'Orion. Mais ça, quel est leur aspect? C'est un aspect humain. D'apparence humaine. Exactement ceux de la Bible. Ah, ce sont ceux de la Bible. C'est ce qu'on appelle voilà. Les Elohim. Ce qu'on appelle les Elohim, ah, oui. Bon. C'est ceux-là qui sont ici. Elohim, le mot est lâché. Quelques explications sommaires. Les Elohim sont des personnages venus d'ailleurs, qu'on a appelés tantôt les dieux, tantôt les messagers. On en a fait aussi des anges dans notre vieille tradition biblique. Ce sont des êtres comme vous et moi, pas plus déifiés, mais aux yeux de ces braves gens, de nos très très lointains ancêtres, c'était des dieux. Ils venaient d'ailleurs avec des machines volantes, des gloires. Car gloire, ça veut dire une très vive lumière qui venait du ciel. Alors, le Christ est né à Bethléem. C'est pas par hasard. Et contrairement à certaines traductions, Bethléem, ça ne veut pas dire la maison du pain. Beth, c'est la maison. Léem, c'est une dérive sémantique de Elohim, la maison des dieux, et non pas de Dieu. Entendons-nous bien. Le problème des Elohim, je suis l'un des premiers, je pense, en Europe à avoir abordé ce domaine particulier dans les soucoupes volantes, bien dans notre monde, qui vient d'être réalité. Certains l'ont lu en 1954, et par la suite aussi ce bouquin qui fait référence aux Elohim, et d'aucuns s'en sont inspirés pour fonder des sectes archi-bidons, qui frisent ou dépassent même l'escroquerie, qui mêlent les partouzes à l'enseignement un peu particulier de certains gourous, n'a rien à voir avec tout ça. Ne nous trompons pas. Les sectes méprisables ne sont pas nos propos, ne sont pas nos préoccupations. Mais je crois qu'il faudrait quand même parler d'un voisin de Gendrini, Eliab le Berger, qui est un peintre, et qui lui aussi témoigne. En février de cette année. L'année passée. 1991. Et c'était près de chez Gendrini également. Oui, c'est ça. C'était à 1h du matin. Moi qui sors jamais à 1h du matin, et en février, il fait pas chaud. Mm-hmm. Et ma tête avait vraiment été poussée à regarder dans le fond de la vallée. Puis je vois des lumières bizarres. C'est bizarre. Je me suis dit, bon ben. Puis, je me suis dit, bof. C'est le coucher du soleil, vous savez, à 1h du matin, on n'est pas bien réveillé. Alors, je me suis dit, mais enfin, à 1h du matin, il n'y a pas de coucher de soleil. J'ai dit, oh, ben je sais ce que c'est. Et je fonce chez moi chercher un petit pull, et je vais m'asseoir et je vais regarder. Je vois des formes curieuses, comme une banane, et puis des traits un peu dans tous les sens. Quelle était la couleur? Orangé. Orangé. C'est orangé. Puis je me suis assis, puis j'ai regardé. Et tout d'un coup, ça s'est stabilisé à un énorme cigare. On peut dire que c'était un peu grand comme la lune. C'était au fond de la vallée. C'est un grand cigare, orangé. Et puis, bon, ce qui est curieux, c'est qu'il ne bougeait pas, absolument pas. Et après quelques instants, il s'est comme... C'est très curieux comme il est parti. Il n'est pas parti en faisant des mouvements, mais comme si... C'est comme des points. Comme s'il il devenait de plus en plus petit, comme s'il se dématérialisait. En fait, c'est très curieux et il a fini vers Rennes-le-Château. Revenons à Rennes-le-Château et inquiétons-nous un peu des derniers moments de la Bessonnière, qui nous réserve là aussi quelques surprises. Il est hors de doute que l'abbé Boudet, sentant venir sa mort prochaine, curé de la paroisse voisine,
appelle la Bessonnière à son chevet en 1914. Et il va livrer à la Bessonnière les secrets de ses découvertes dans le site de Rennes-les-Bains. À partir de la mort de l'abbé Boudet, les habitants des paroisses de Rennes-Château, Rennes-les-Bains vont rencontrer plusieurs fois la Bessonnière dans les sites, les territoires de la paroisse de Rennes-les-Bains. Il demandera à chaque fois à ceux qui l'auront vu de ne pas répéter qu'on l'a vu à tel ou tel endroit. Et ce qui explique, et ce qui, à mon grand étonnement, que jusqu'à la fin de sa vie, il ait pu continuer à dire à ses paroissiens, « Pauvres gens, vous marchez sur l'or et vous vous crevez au travail. » Et il parlera aussi de la puissance enfouie. Mais il n'aura pas le temps d'utiliser ses renseignements. Il sera emporté par la tuberculose le 22 janvier 1917. C'est dans le cimetière de sa paroisse que repose désormais Père Gessonnière. À ses côtés fut enterrée Marie Denarnaud, sa fidèle servante et compagne. Et on y soit qui mal y pense. La Bessonnière, près de ses fins, en 1917, a été frappée d'une congestion cérébrale. On a fait mander auprès de lui l'un de ses confrères, le curé Rivière d'Espéraza, qui, semble-t-il, est sorti de cette entrevue parfaitement bouleversé. Il a été profondément dépressif pendant la petite année qui lui restait à vivre. Et il y a 30 ans, tout le monde savait à Rennes que l'abbé Rivière avait refusé les derniers sacrements à son confrère Sonnière. Et que ces sacrements lui avaient été accordés post-mortem, ce qui est une procédure hautement rarissime dans la façon de procéder de l'Église. Que faut-il pour se faire refuser les sacrements au seuil de la mort? Hitler les aurait obtenus. Il s'agit, pour obtenir les sacrements, de manifester, ne serait-ce qu'une contrition imparfaite, la peur de l'enfer. Par contre, quiconque proclamera une hérésie et tiendra bon n'aura pas les sacrements. Sonnière avait-il eu connaissance de documents en lesquels il aurait cru, émanant des Visigoths, plus probablement des Templiers ou tous autres? Ça paraît une thèse défendable. La Bessonnière a donc eu accès à des secrets. On nous a parlé de documents généalogiques touchant aux Mérovingiens. Supposons, on peut imaginer aussi, supposons que l'un de ces documents est apporté la preuve de l'origine extraterrestre des descendants, des ancêtres des Mérovingiens. Supposons qu'au gré de sa quête, en fouillant, en creusant, en accédant à des cavernes, la Bessonnière ait eu une autre preuve attestant de cette vérité. Supposons qu'il ait vu, je ne veux pas revenir aux gris, aux ibis, qui font l'objet de certains de mes romans vérités, mais supposons qu'il ait eu la preuve que Asmodée, qui soutient le bénitier de l'Église, faisait partie de cette lignée d'êtres venus d'ailleurs, qui s'intègre à l'histoire. Il a dû être terrifié, et in articulo mortis, à l'article de la mort, il a pu le confier, et son confesseur était terrorisé, et lui a refusé l'absolution, pour, réfléchissant après, la lui accorder post-mortem. Du roman, eh bien, je crois que les agents du Shin Bet, le Shin Bet, ce sont les services secrets israéliens, l'un des meilleurs du monde. Je ne crois pas que ces agents soient des rêveurs, ce soient des gens qui planent. Non. Eh bien, les agents du Shin Bet sont venus, sous couvert de recherches pétrolières, géophysiques, explorer la région de Rennes-le-Château. Et il semble bien qu'ils aient recherché la menorah. La menorah, c'est le chandelier à sept branches qui faisait partie du trésor de Salomon. Mes romans de science-fiction sont toujours basés sur des choses vraies. Les Filles du Serpent, en réalité chez Vaugirard, et le dixième chevalier Lumière qui s'appelle Les Pièges du Val-Maudit, concerne Rennes-le-Château, Stenay, etc. Et toujours sur cette chose authentique et mystérieuse qui est le thème de cette cassette. Mais, bien évidemment, il y a bien d'autres auteurs qui ont abordé ce domaine extraordinaire. Nous avons, rassurez-vous, je ne vends pas ça dans des parapluies au coin de la rue. J'en ai pris que quelques-uns, il y en a encore un tas. Jules Verne, initié et initiateur,
Le secret du trésor royal de Rennes-le-Château. Remarquable, paru chez Payot. Un ouvrage de Jean Robin, Rennes-le-Château, la colline envoûtée. Passionnant. Jean Robin, opération Horte, toujours chez Guy Trédaniel, ou l'incroyable secret de Rennes-le-Château. Incroyable, absolument fantastique. Nous avons aussi celui-ci de Yves Lière, le secret des prêtres du Razès ou le mystère des deux reines. Nous avons enfin cet ouvrage étonnant de Henry Lincoln, Le Temple retrouvé chez Pygmalion. Nous avons, nous aussi, fait une petite enquête. Nous avons pérégriné, nous l'avons vu dans cette vidéocassette. Nous avons constaté des choses très étranges. Nous avons eu tellement d'éléments que ce n'est pas en une cassette que nous pourrons tout dévoiler, tout divulguer. Je pense que, comme disait Kipling, tout cela est une autre histoire. Et nous allons y revenir. Et à ce moment-là, ce qui vous a paru extraordinaire dans cette vidéocassette vous paraîtra assez fade comparé à ce qui vous attend dans la suivante.